Stéréo chic. Un Français dans le monde, le podcast. Quand on a un papa boulanger, la force des choses, c'est d'être également boulanger. Mais Lionel a trouvé une petite subtilité, c'est d'aller faire du pain dans un pays du monde où logiquement on n'en fait pas. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci et bienvenue sur l'antenne de Stéréo Chic. On salue au passage Cécile de l'Art et la Manière qui nous a mis en relation. Et elle a l'art de m'envoyer des gens incroyables au micro de Stéréo Chic, donc la barre est haute Lionel. Bien le bonjour déjà, bonjour du Québec. Il est quelle heure ici? Il est 11h du matin, quasiment. Et nous, c'est l'après-midi. Et... magie du décalage horaire. Oui, c'est ça. Et puis, je suis encore en activité avec toute mon équipe. On est en train de produire encore les pains, les viennoiseries, les pâtisseries, etc., etc. T'as commencé bientôt, évidemment. C'est pas une légende. Les boulangers se lèvent très tôt. Oui, on se lève. Ben, moi, je me lève à 1h du matin. L'équipe, c'est aux alentours de 2h, 3h du matin. Puis, il y a une chose que je voudrais dire, c'est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ce n'est pas vrai. Je suis bien d'accord avec toi. Ta boulangerie s'appelle Deux gars dans le pétrin. C'est un petit clin d'œil à ton papa qui, donc, lui aussi, a été boulanger. Maintenant, il est un peu tranquille, il peut dormir le matin, il est à la retraite. C'est bien ça, oui. C'est ça. Papa, lui, il était boulanger. Il a pris le métier du côté de Albi, dans le Tarn. Et après, ben, il a été ouvrier boulanger du côté de Béziers. Qui est ma ville natale, en fait. Et lui, il a été ouvrier jusqu'à l'âge de 33-34 ans, jusqu'au jour où il a décidé de fonder sa boulangerie. Donc, la première boulangerie qu'il a eue, c'était du côté de Mazamé, dans un petit village qui s'appelle Pont-de-l'Arne, qu'il a gardé 4 ans. Et s'il y a des éditeurs de Mazamé, Pont-de-l'Arne, je les salue. Puis après, il a ouvert une boulangerie, il a racheté une boulangerie du côté de Gijan, qui se trouve entre Metz, Sète et Montpellier. Et c'est là où il a gardé jusqu'à ce qu'il parte à sa retraite. Alors, tu as ouvert cette boulangerie en 2014, donc au Canada. On est à Saint-Jérôme, à 45 minutes au nord de Montréal. Et Béziers est un peu avec toi, parce qu'au moment où je te parle, je te vois en visio. Et derrière toi, il y a le drapeau occitan. La France, oui, est toujours un peu proche de toi. Tout à fait. Même, tu vois, j'ai le petit béret. Et alors... Oui, tout à fait. Ça donne un côté qui s'appelle un côté touristique pour les gens qui viennent à la boulangerie. Ça les fait voyager. Ça m'arrive des fois de discuter de là où je viens, etc. Et d'ailleurs, la majeure partie de nos produits sandwich et autres pains portent des noms de la région occitane. Une boulangerie au Canada, c'est pas si habituel que ça. Et tu me disais, il y a 20 ans, il n'y en avait pas. On faisait son pain à la maison, mais il n'y avait pas de boulangerie. Ben, peut-être 20 ou 30 ans, mais effectivement, c'était à l'époque, c'était la grammaire, c'était le pain à la maison. Et je dirais que la boulangerie a commencé à s'implanter il y a peut-être 20, 30 ans, grand maximum, peut-être 40 à tout casser, mais ça, c'était pas autant répandu, notamment des boulangeries françaises, comme en France, où on se lève le matin et puis on va chercher sa baguette et ses croissants. Alors, évidemment, un Français au Canada avec son pain français, et son petit accent du sud de la France, tu dois faire un carton. Oui, quand même, oui. Oui, c'est sûr que ça fait rêver les gens, ça les fait voyager, comme disait tantôt. Et puis, il y a une expression typique québécoise à propos des Français. Ils nous surnomment gentiment les maudits Français. Bon, il y a plusieurs raisons. Mais dans mon cas, souvent on m'a dit ce qui te sauve de cette appellation maudit français, c'est l'accent qui chante. Parce que pour eux, c'est Marcel Pagnol, c'est la Provence, c'est le sud de la France, c'est les vacances, c'est tout ce côté cliché. Mais c'est ça, ça fait son petit charme. En 2005, tu as décidé de quitter la région occitane pour aller t'installer au Canada. C'est quand même très très loin de sa maison. Pourquoi on a envie d'aller aussi loin au bout du monde comme ça, tenter une aventure d'expatrié? Ben, en fait, c'est y a plusieurs raisons. Il y a une raison personnelle, une raison de la recherche de soi. Qui nous sommes et ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de s'éloigner de la famille, parce que moi, en fait, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans chez mes parents. Je connaissais que le milieu de travail familial, en fait.
Donc ça a été vraiment une opportunité de... J'étais attiré par le Canada, par l'histoire de la Nouvelle-France et l'histoire française du XVIIIe siècle, etc. Puis, ben, comme c'est un bout de territoire américain où ils parlent français, ben, d'une pierre deux coups, j'ai tenté ma chance et puis je suis parti comme bien du monde à l'aventure. Oh, t'as fait mieux que ça, t'as trouvé un casse-croûte sur la route puisque ta conjointe, tu l'as rencontrée il y a 11 ans, elle est québécoise. Oui, oui. Ben, en fait, elle vient de la région Matagami. Matagami, c'est la baie James. Dans la carte du Québec, c'est vraiment du côté, c'est presque le pôle Nord, on va dire. J'exagère, mais c'est pas mal ça. Et c'est ça, elle avait une clinique de massothérapie à Montréal. On s'est rencontrés. Puis, de fil en aiguille, elle a embarqué avec moi dans l'aventure de la boulangerie. Elle a appris ce que c'est de se lever de bonne heure, ce que c'est que de travailler des mains, etc. Et puis maintenant, ben, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ça fait quasiment 8 ans qu'on a la boulangerie. Et puis, avec ses joies et ses mauvaises humeurs, la boulangerie nous apporte beaucoup de choses. Et puis, c'est ça, on est à l'activité tous les deux là. Il y a quelques différences sans doute. Déjà, parfois, avant d'ouvrir au public, il faut déneiger parce qu'en ce moment, bah, c'est la période des neiges. Ça, tu le faisais pas à Béziers, ça. Ah non, pas du tout. Non, 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 c'est vrai qu'ici, c'est un sport national, le déneigeage, le déneigement, en fait. On déneige les trottoirs. Ce qui est fabuleux, c'est quand même le Québec, on vit au rythme des saisons. On a les quatre saisons qui sont condensées, mais on a la neige, le printemps où c'est toute l'eau qui ressort, etc. L'été, ça pousse à une vitesse grand V, c'est fouillu, c'est magnifique. Il y a l'automne, ça devient rouge, jaune, vert, orange comme pas possible. Et pam, du jour au lendemain, c'est blanc. Petite question, si je mange une baguette, alors là tu m'as fait le tour de ta boulangerie, il y en a partout, hein, visiblement les affaires sont bonnes parce que il y a de la production, tout va partir en cuisson. Si je mange une baguette, elle aura le même goût que si je vais la chercher au coin de ma rue? On travaille avec des farines québécoises, elles sont légèrement différentes, mais oui, à l'heure actuelle, on arrive à avoir de très bons produits et je dirais même des fois que c'est bien meilleur que ce qu'on a en hexagone. Et le prix, on est à un petit euro la baguette, même si ça a pas mal augmenté, parce que notamment le blé canadien a flambé ces derniers temps. Vous la vendez combien la baguette? Actuellement, c'est quand même en deçà des 3$. On peut la retrouver 3$ dans les épiceries et supermarchés. La mienne, la baguette, la classique, là, elle est à 2,80$ à peu près, ce qui est quand même relativement bon pour le produit de qualité que nous avons. Et alors, est-ce que Degas dans le pétrin va poursuivre un développement? Est-ce que tu vas ouvrir d'autres boulangeries et être le petit Français au Canada qui franchise? Je suis pas rendu à cette étape-là. C'est sûr que nous, normalement, au mois de juin-juillet, on pousse les murs pour agrandir le coin de production, pour le rendre beaucoup plus facile d'accès, etc. J'ai pas la prétention de vouloir ouvrir une succursale, mais d'avoir des points de chute ou des qui s'appellent des petits commerces et qui veulent vendre au détail les produits que nous faisons, pourquoi pas. Deux années de pandémie, tu as été bien loin de la France. Comment tu as traversé cette période? C'était un peu chelou pour tout le monde. Toi, tu n'es pas rentré non plus, je suppose? Nous, non. En fait, la boulangerie a fonctionné tout le temps de la pandémie, à pleine capacité, et si c'est même, même pas plus. On a été agréablement surpris de la réponse des clients qui ont été là depuis le début, les nouveaux clients aussi. Il faut dire que le gouvernement québécois, il a fait beaucoup d'actions sur l'achat local auprès des entreprises, etc. Et j'ai eu la chance ou le privilège d'avoir à ce moment-là le meilleur métier au monde, qui est un métier très mal connu, mais qui est celui de la boulangerie. Et les gens venaient chez nous parce que ben, ils cherchaient du bonheur, ils cherchaient la discussion, ils cherchaient du réconfort, ils cherchaient une baguette, un croissant, une chocolatine, etc., etc. Donc en fait, nous étions là et on n'a jamais cessé l'activité pendant ces deux années. Ça a été au contraire, on devait aller chercher dans les magasins
des accessoires et des produits parce qu'on n'arrivait plus à fournir. Si vous allez du côté de Saint-Jérôme, dans la banlieue de Montréal, allez voir Lionel de notre part, deux gars dans le pétrin. T'es bien là-bas, pas prévu de revenir? Pour l'instant, non. En vacances, oui. En voyage, je te dirais que des fois, j'ai un petit peu le cafard de la région, qui s'appelle le soleil, le décor, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets. Mais, on écoute quand même le petit pain au chocolat de Joe Dassin. Ça va te rappeler quand tu étais français. Ben oui, allez. À bientôt, Lionel. Ben, merci à toi. Grand bonjour à tout le monde. Je salue les gens de Gijang. Qui m'écoutent, les gens de Mazamé et Pointe-de-l'Arne. Et puis, un grand merci pour l'entrevue téléphonique. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on dit entrevue au Canada et pas interview. Merci Lionel, salut. Stéréo Chic, la radio des Français dans le monde.